Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner, parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci.
donne à moi, prière. Tozali na kati ya mese de requiem awote. Lino boi pe tozali kotanga. Oye lali awe ezali nzoto. Dans quelques minutes, ezali accomplissement ya lino benzambe ke ozali kutulu obozonga kaka na mabele. Alléluia. Mais véritable notre bien-aimé Séraphin yanza azali awote. Alléluia. Nous sommes là pour honorer sa foi. Nous sommes là pour honorer sa foi. Oui, c'est un ancien combattant dans le Seigneur. La Bible nous dit, au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Passez à l'auto-inventaire de ta vie. Recherche tes voies. Sonde tes voies. Si aujourd'hui ça pouvait être votre tour, vous allez partir dans quelles conditions? Mais bien aimé, la mort ne peut pas changer l'état de votre âme. Je suis un peu plus grand.
Kombo na yo eza Iyanzankumu Lilo. Tiyoko mi. Oza loko langai. Vous étudiez tes étudiants, pas pour toi, mais tes étudiants pour tes frères et sœurs. O sengeli kotanga, oza kotanga pona yo mokote kasi pona bande kona yo mi bali pe basi. Alobi nangai. Ba. Kende. Le jour du résultat, tu dis, tu vas me mettre au lit. Mon coloyo va résister et kobima okoya oso pelangai poudre. Merci, mesdames. Merci. Merci. Bon, témoignage ici, je voulais dire que le dépôt déjà avec des fleurs. Nous allons déjà avec des fleurs. La famille, hein? Oui. Attendez un peu, on ouvre un peu là. Voilà ton photographie, s'il vous plaît. Voilà la pièce qui n'est pas là. Attendez, on commence par vous dire. On commence par vous dire. Bon, c'est là. L'église, l'église, tous les canons, tous les canons. Thank you.
Que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Amen. Que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Amen. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux souffriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent.
Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent de cette île. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as prise auprès de moi. » Alléluia. Moi, je suis Oyo. Otia qui pembeni na ngai oyo salela kingai. M'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Et tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te grasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peine qui te en tirera ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te... C'est un chouchou. Chacun de nous soit interpellé. Ton retour est plus proche. Et nous avons compris que ce qui est plus proche. Gravé dans le cœur de chacun de nous. Que chacun de nous puisse prendre la décision, s'il était encore dans le monde, de quitter le monde, venir à toi. Celui qui était dans le sommeil de la mort spirituelle, Seigneur, que tu puisses le réveiller avec ta parole, afin qu'il puisse venir à toi. Nous abattirons. Notre bien-aimé sœur, épouse, à notre bien-aimé, l'ange que tu as repris, fortifie-la, affermis-la, afin qu'elle puisse continuer avec la marche. Donne-lui la foi ferme. Seigneur, nous n'avons aucune cérémonie à faire à l'endroit de notre sœur. Puisqu'il est écrit dans ta parole que la femme est liée à son mari aussi longtemps que son mari est vivant. Et comme tu as jugé bon de récupérer notre bien-aimé frère, notre sœur est libérée. C'est pourquoi, Seigneur, nous l'abandonnons totalement sur tes saintes mains. Nous abandonnons tous les enfants entre tes saintes mains. Toute la famille entre tes saintes mains. Ceux qui sont venus de très loin pour rendre le dernier hommage à notre frère, Seigneur, nous les abandonnons entre tes saintes mains. Que tu puisses fortifier, affirmer chacun. C'est vrai, Seigneur, la séparation est douloureuse, mais c'est ta parole. C'est pourquoi, Seigneur, aide-nous à demeurer ferme en toi. Nous serons transmués pour monter te rencontrer dans les airs. Allez au festin de l'encouragement. Et ceux qui n'ont pas encore vu, et celui qui ne connaît pas, sera condamné. Approchez un peu de plus de
I'm